This port here is the 12th largest trading partner for the U.S. is out of Antwerp, fourth largest port in the world. And so consequently, you go to the biggies. But that doesn't mean that the terrorists can see the same operation going on out here today. So they're going to go to the least port of resistance. And at that point, that's when you do initiatives at the home ports to see where this material came from and how where it might have come from and how to prevent it from entering U.S. commerce and U.S. land. Et nous avons signé un protocole d'accord avec les États-Unis en novembre 2004, le gouvernement belge. Et donc il y a un accord suivant lequel nous allions sécuriser complètement les ports d'Anvers et de Zeebruges. Et donc aujourd'hui c'est l'inauguration des 14 premiers portiques. Il y en aura 52, il y en aura à Zeebruges et aussi à Ostende pour atteindre une centaine de portiques de détection pour lutter contre le terrorisme, l'importation ou l'exportation de matériel ou d'armement ou de matières radioactives ou nucléaires.